Bon, ok. Lui, c'est Michael Adenuga Junior, plus connu sous le nom de Mike Adenuga. Il a accompli quelque chose de rare. Il est passé de simple chauffeur de taxi à la deuxième fortune d'Afrique, tout juste derrière Dangote. Et vous pouvez me croire, Mike n'a pas cherché très loin pour trouver son idée business et où investir. Si vous voulez progresser dans vos activités et savoir c'est quoi la bonne opportunité, ouvrez bien vos oreilles et prenez des notes parce que je vais vous aider à y voir plus clair et vous donner des stratégies que vous pourriez utiliser pour casser la baraque dans tout ce que vous entreprenez. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, vous abonner, me dire pour vous c'est quoi la bonne opportunité et quelles leçons vous retenez de cette vidéo. Et je profite de l'occasion pour dire merci à mes deux abonnés qui m'ont inspiré à faire cette vidéo. On commence tout de suite. En 2019, Mike Adenuga a créé la surprise sur le continent. Il est passé de 5,3 milliards de dollars à 9,2 milliards de dollars en tout juste un an. Même le loup de Wall Street n'a pas pu réaliser cet exploit. Déjà, la fibre entrepreneuriale de Mike Adenuga lui provient de sa mère, Juliana Adenuga, qui était une femme d'affaires issue du peuple Yoruba, qui est connue comme étant de grands commerçants. Quant à son père, il était tout juste enseignant. Mike obtient son bac au lycée d'Ibanda, sa ville natale, à l'ouest du Nigeria. Puis, grâce au soutien de sa famille, il part étudier aux États-Unis. Une fois sur place, les US, c'est tout le contraire du Nigeria. La vie à New York est extrêmement chère. Il fallait qu'il paye ses études. Alors que faire? Il va tout simplement devenir taximètre à temps partiel pour payer ses études. Puis, quelques années plus tard, il obtient finalement deux masters en administration des affaires. À la Oklahoma State University et à Northeastern Peace University, donc dans deux universités américaines. Évidemment, tout le monde n'a pas la chance de faire de grandes études, encore moins en Amérique. Mais si vous entreprenez quelque chose, retenez bien ceci. Mike Adenuga a d'abord fait une formation orientée. Il a appris des outils techniques très indispensables comme la gestion des opérations, la planification stratégique, la comptabilité, les finances, la gestion de projet et même le marketing. Il a suivi une formation par besoin, car il était censé reprendre les rênes des affaires familiales une fois de retour au pays, chose qu'il effectua. Vous devez très vite déterminer ce que vous voulez faire et quelles sont les compétences qu'il vous faut absolument développer. Et une fois que vous les identifiez, commencez dès maintenant à vous former. Ne faites pas des formations par hasard, mais faites des formations orientées et par besoin, car la formation influe sur les résultats. Une question, connaissez-vous la différence entre un manager, un technicien et un entrepreneur? Déjà, vous devez savoir que nous sommes à la fois ces trois personnes. Et si vous ne voulez pas vous noyer, suivez attentivement Mike Adenuga, l'entrepreneur en Afrique. Important de le préciser. De retour au pays, il reprend comme prévu les rênes des affaires de sa famille, qui était confrontée à des soucis de performance. Et là, c'était Mike Adenuga le manager et non Mike Adenuga l'entrepreneur. Puis un jour, quelque chose s'est sûrement passé. Il a soudainement été pris d'une crise créative. Et ce jour-là, sa vie a sûrement changé. Une fois frappé par cette crise créative, il n'a plus de répit. Il était impossible pour lui de s'en débarrasser. Et c'est à ce moment clé qu'il décide d'abandonner l'entreprise familiale pour lancer ses propres affaires. L'entrepreneur est celui qui vit dans le futur, celui qui construit une maison, puis se met à envisager la prochaine une fois celle-ci terminée. Mike Adenuga commence ainsi ses propres affaires. Au début, il touche à tout, sans aucune limite, et le principe de base pour lui était de répondre tout simplement à un besoin. Donc dès qu'il a une idée qui répond à un besoin, il passe à l'action tout en calculant les risques. Il essaie pour voir ce que cette idée va lui rapporter, et la plupart des idées qu'il avait étaient liées à des activités commerciales. Il ne cherchait pas du tout loin. Simplement un besoin. Et petit à petit, il commence à s'intéresser à la vente de dentelles et de boissons non alcoolisées, ce qui a finalement marché très bien pour lui. Et c'est grâce à cette activité qu'il devient millionnaire. D'après ce que nous venons de voir, pour déterminer dans quel secteur vous devriez vous lancer en Afrique, ne réfléchissez pas assez. Prenez un cahier et un stylo. Posez-vous cette question tout simple. Quel besoin je peux satisfaire? Filtrez les idées que vous allez écrire et commencez par celles qui vous paraissent les plus pertinentes. Comme Mike l'a sûrement compris, au début vous n'aurez pas la plus belle idée qui soit. Mais vous gagnerez beaucoup en essayant plusieurs choses. Car quand Mike le faisait, l'objectif n'était pas simplement de répondre à un besoin, mais de déterminer très rapidement ce qui marche et de s'y consacrer. Mike Adenuga n'était évidemment pas pauvre avant de se lancer dans ses propres affaires. Mais il a retenu l'essentiel, celui qui est de construire des fondations solides avant d'envisager de se lancer dans des projets plus ambitieux. Et c'est ce que vous devez faire pour suivre son exemple. Concentrez-vous sur ce qui marche pour gagner beaucoup d'argent. Puis ensuite, vous pourriez vous lancer dans des projets plus ambitieux.
Comme nous l'avons vu plus bas, Mike Adonoga a d'abord opté pour la concentration, puis la diversification ensuite. Un entrepreneur est un opportuniste, et là où l'entrepreneur s'épanouit dans le changement, le manager s'accroche de manière compulsive au statu quo. Le manager fait construire une maison, puis vit dedans jusqu'à la fin. Mike Adonoga réussit à faire quelque chose de très intéressant, maîtriser ces trois personnes que nous sommes à la fois. Le technicien, le manager et l'entrepreneur. Quand vous vous lancez dans un projet et que vous êtes tout seul, vous êtes à la fois ces trois personnes. Et si vous ne faites pas attention, vous n'irez nulle part. Malheureusement, personne ne peut y gagner le match. La solution serait de comprendre très précisément ce que c'est que le travail d'un entrepreneur. Et c'est tout simplement se demander. Se demander. Mike Adenuga n'a jamais cessé de se demander, ni même de chercher des opportunités. C'est ainsi qu'il constate que le marché de la téléphonie mobile en Afrique est immense, avec pour point d'appui son pays le Nigeria, qui a une population estimée en 2019 à plus de 180 millions d'habitants. Il décide alors de créer sa société de téléphonie mobile pour concurrencer les Sud-Africains MTN, qui avaient le monopole de son pays. Sa compagnie de télécommunications Globalcom s'est répandue très rapidement et a commencé à être lancée au Bénin en 2008, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et cette compagnie continue de s'étendre dans les pays de la sous-région. Puis, après s'être imposé dans le secteur de la télécommunication, il se lance ensuite dans un autre projet encore plus ambitieux, le pétrole. Alors que retenir ? Là où il y a un problème, il y a une opportunité. Vous devriez suivre vos formations en fonction de vos objectifs. Vous ne devriez jamais arrêter de vous former, de vous recycler. Vous devriez très vite toucher plusieurs choses en même temps pour trouver ce qui marche. Vous devriez vous concentrer sur une activité pour construire des bases solides, puis ensuite vous lancer dans des projets plus ambitieux. Enfin, ne laissez pas l'entrepreneur qui est en vous mourir. Si vous êtes intéressé, on parlera de ces trois personnes dans un contenu qui sera dédié. N'oubliez pas de partager la vidéo, me laisser un commentaire. Dites-moi pour vous, c'est quoi la bonne opportunité. Et enfin, je vous dis merci. Nous, Africains, avons un potentiel inestimable. Ne l'oublions jamais.